Natalia, t'as pris un supplément vitamine dans ton smoothie ou quoi? Ralentis un peu. Hé, attendez. Alors, Nathaniel m'a dit que vous aviez un groupe toutes les trois. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est même Talia qui nous a réunis. Et si elle n'avait pas été là, on ne se serait jamais rencontrés. Tu devrais l'entendre jouer. Ce serait génial, je peux venir à une répétition? Bien sûr, évidemment. Pas question. Personne n'a le droit de venir nous voir répéter. Bon, eh ben, c'est jour alors. C'est une impression où elles sont un peu bizarres. Enfin, tu me comprends. Complètement bizarre, complètement génial. Je pense que tu t'amuses pas assez sur Terre. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Oh, s'il te plaît, laisse-moi te remercier de m'apprendre le sort du murmure de cristal en t'apprenant comment parler aux garçons terriens. Oh, il n'en est pas question. Primo, tu es encore loin de maîtriser ce sort. Deuxio, je sais très bien comment parler aux garçons. Et Tertio, je suis sûre que Mephisto et Praxina sont derrière tout ça. Oh, t'es bien trop prudente, il faut te détendre un peu, Talia. Tu crois? Tout à l'heure, j'ai failli révéler notre mission secrète à Nathaniel. Tu t'es laissé emporter, ça arrive. Pas à moi. Je dois uniquement focaliser mon esprit sur notre mission. Je n'ai pas le temps de m'intéresser aux garçons. Un sourire sous les étoiles, toute la vie devant nous, tu connais. Hein? C'est Kyle! Ne réponds pas! Salut Kyle! Je suis pas là! Bien sûr, elle est juste à côté de moi! Allô? Salut Talia! Je me demandais si ça te dirait d'aller pique-niquer avec moi. Non merci, mon agenda est très chargé, on a un concert très bientôt. Alors pourquoi pas après le concert? Ça ne marche pas non plus, j'étudie. On étudie jamais assez, tu sais. Désolée, je dois te laisser, on a encore pas mal de courses à faire. Qui lui a donné ce numéro, Oriana?